répondre la télé pour nos postulations au reality show. Ah ben, j'espère bien, dites voir. C'est que des intéressantes comme nous, il n'y en a pas tous les coins de rue non plus. Et alors? Oh, j'y pense, vous avez fait une demande de candidature pour faire, l'île de la tentation? Oh. Non, 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 non. J'y tenais pas parce que, vu que je suis célibataire et encore neuve, il m'aurait mis dans les tenteuses. Ah. Moi, je suis pas une briseuse de ménage. Mmh. Si tant est que vous puissiez briser quelque chose. Et vous, vous avez demandé à faire quelle émission? Ah ben moi, je crois que je vais faire Koh-Lanta. Ah. Je suis sûr d'être prise avec les économies que je vais leur faire faire, dites. Pas la peine de dépenser des billets d'avion pour aller au bout du monde, hein. Pas besoin d'aller si loin. Ah bon? Et où que c'est qu'ils pourraient le faire? Eh ben, je sais pas, moi. Dans la Creuse, par exemple. Ben, y a une dizaine d'hectares en jachère, là. Vous mettez des barbelés autour. Je peux vous dire qu'au bout d'une semaine, tout le monde est à quatre pattes et ça broute, hein. Combien dur, non? Oh, ben dites. Pendant que vous ferez Koh-Lanta, eh ben moi, je ferai la Star Academy. Bon, 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 voyons. Tiens, rêvez pas non plus, c'est pas encore fait, hein. Oh, mais je sais ce que je dis, hein. J'ai du piston. C'est quoi votre piston? Ben, figurez-vous que Mme Badrignan, elle a comme voisine une collègue à la poste dont la belle-sœur est une relation de la concierge de l'ex-institutrice de la mère de Jennifer. Elles tiennent toutes dans le même immeuble. Oh, moi, ce serait mon rêve de faire la Star Academy. J'aimerais tellement prendre des cours de chant avec Armande. Oh, pas ça. Oh, je vous vois bien, là, tiens. Vous seriez dans votre élément, hein. Oui, je vois bien, là. Ouah, 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 ouah. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. D'accord. Oh, et puis je ferai la cocotte Kiki. Bah, c'est quoi, ça, encore? Bah, c'est un exercice de diction. Ouais. Et je le connais par cœur. La cocotte Kiki dit à son amant Coco qu'on casseur de cacao, je dois un avec un col au caracus, au de marquis, vous conquis par la cacacouette de la coquette de cocotte Kiki. Moi, vous j'ai un coin quand même, hein. Ah, ben oui. La cocotte Kiki, ben oui, 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 oui. Oh, puis il y aurait la danse. On ferait des échographies à Kamel. Des échographies, mais c'est pour de la radio, c'est de la télé. Ben justement. D'ailleurs, on ferait des prime time devant des millions de téléspectateurs. Et Gisèle, musique. Oh. Et que chacun se mette à chanter, et que chacun se laisse emporter, chacun tout contre l'autre serré, chacun tout contre l'autre lassé. Gisèle, si un jour je suis vedette, imaginez un peu les bandes annonces. La Star Academy, après le succès de JP, le triomphe de LB. Et qui c'est ça, LB? Ben c'est moi, Lucienne Beaujon. C'est ça, oui. LB comme légèrement bécasse. Alors, ce 14 juillet à la campagne, ma petite Julie, qu'est-ce que t'en dis? T'as vu ce feu d'artifice et cet orchestre? Ah ouais, hein, trop mortel la zig de chez vous. T'as vu ça un petit peu, ça a envoyé la mayonnaise, hein? Ah, alors il était Doulon, ce petit gars-là qui danse avec toi. Doulon, qu'il était, ce petit gars-là? De Paris, comme moi, il est en vacances au camping. Ah oui, c'est qu'il a de la famille dans le coin, non? Non, c'est qu'il est en virée avec des potes. Ah, un beau petit gars, dis donc. Oh, là. Et alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie comme métier? Il est dans les ordis. Dans les ordis, quand il fout là-dedans, le pauvre. Non. Les ordinateurs, tata. Il crée des sites sur le net. Ah, quand même. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est que c'est un gars qu'on a dans le cockpit, ça. Hein? C'est pas comme mon grand Benet, là. Ah, hein, là. Lâche-moi, mon gars, c'est pas vrai, ça. Oh, il fait la gueule, lui, ce soir. Il a le vin mauvais, comme son père, mon vieux. Et toi, alors, on n'en a jamais causé, toutes les deux.
Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande, toi? Pff, attends, moi, c'est le flou total. Ah bon? Mon pater, il me prend la tête pour que je fasse médecine, tu vois, vachement original. Ah oui, fichu. Ouais, oui. Je vais te dire, je suis paumée en ce moment. Ah, si, il y a un truc qui fait vachement kiffer, c'est la zigmu, mais là, l'asbéton, je suis pas née dans la bonne famille. Mais faut pas dire ça, voyons. Mais non, mais si ça te plaît, vas-y, fonce, je fais pas la connerie que je fais. Hein? Ah oui, je voudrais être au Artenoche, puis tout recommencer, moi. C'était mon rêve, moi, ça, d'être chanteuse. Arrête, tu me bouffonnes. Ah non, je te bouffonne pas, non. Je t'ai même vachement doué, moi. Mais à l'époque, tu parles, il y avait pour la télévision, à peine la radio, puis de toute façon, moi, à 14 ans, j'étais dans les champs en train de travailler pour aider élever mes frères et sœurs, moi. Mais toi, c'est pas pareil, t'es fille unique, puis tes parents de l'oseille, tu devrais leur en causer, ton affaire. Ouais, tu délires, tata, je suis déjà obligée de me planquer pour les répètes avec le groupe. Ah, parce que tu joues dans un groupe. Yes, ouais, pour le kiff avec des potes. Eh ben voilà, c'est que c'est un bon début, ça. Et tu devrais t'inscrire aux Escars Académiques. Hein? La musique! Oui, la musique! Je le sais, ça sera la clé de l'amour et puis de l'amitié. Il y a ça aussi! Soleil! M'exposer un peu plus au soleil! Ouais! Quelqu'un qui a plus brut, qui se dit dans la danse! Et qui cavole l'orange du marchand. C'est pour moi qu'il a volé son orange au marchand. Yahoo. Y a ça aussi. Cette voix qu'elle a, cette voix, mes enfants. Oh, oh mon Dieu, c'est dommage qu'on taille pas avec nous à la chorale. Bon sang, ça c'est autre chose que les gueulantes à la Mirepinière, tiens. De saleté de Mirepinière. Qui est là, qui me gueule dans les oreilles tous les dimanches avec son haleine de poney, là, irlandais. Ah, je vais y balancer mon micelle à travers la tronche un de ces dimanches. Oh, des études de médecine, mais quel gâchis, bon sang, avec une voix comme ça. Écoute, tu devrais en parler à ton père, que je te dis. Hein, mais si. Bah oui, bah non, je suis sûr que c'est pas avec tes fucs que tu vas te le mettre dans la poche aussi. Ouais, mais hein? Il s'en fout de mes kiffs, mon père, il n'y a plus que sa pouviasse qui compte alors. Mais ça durera pas, ça. Fou. Mais ne t'inquiète donc pas. Tu sais, les boulots, moi je les connais, c'est tous les mêmes. Quand les chiens ne sont plus en chasse, ils rentrent à la maison, les oreilles sur le cou, la queue entre les pattes, les gars. Je te le dis. Et puis, je veux te dire une chose. C'est pas pour ça que ton père aime plus ta mère. Faut des fois s'en aller voir ailleurs, pour s'apercevoir qu'on a tout ce qu'il faut à la maison. Eh oui. Hein? Allez, ne te rendons pas malade avec ça, voyons, ma petite fille. Hein? Puis dis, si ça marchait, ton petit groupe, eh ben, tu me prendrais avec toi dedans. Mais si, dis, moi, je te fais le piano, puis tous les chœurs, gratos que je te fais ça. Ah, allez, allez, là, rigole, ça y est. Allez, on va boire un petit coup toutes les deux. Ah non, hein? Non, alors là... Oh, mais c'est comme le synthol, ça fait du bien là que ça fait mal, ça. Hein? Allez, tu ouvres, tiens. Oh. Allez, hop. Tata, ça va? Oh. Allez, c'est parti, le gibier nous attend. Le plus beau de tous les temps, c'est celui.